Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Oui, on est début octobre, enfin mi-octobre je crois au moment où vous allez voir cette vidéo. Oui, on va déjà parler calendrier de l'Avent, mais j'ai non seulement des calendriers à vous présenter et une question à vous poser par rapport à un calendrier que je voudrais m'offrir. Donc du coup, on y va, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, à côté de moi j'ai deux énormes cubes, vous les voyez même pas en entier mais en gros... J'ai deux énormes cubes que vous devez reconnaître si vous me suivez depuis plusieurs années. Il s'agit de deux des calendriers de l'Avent My Muesli. Ils m'en ont envoyé deux cette année. Un avec les Muesli To Go que je vais offrir à ma maman et elle va être super contente, ça j'en suis sûre. Et celui qui est en dessous et celui avec les snacks. Donc je vais vous en parler et je vais également ouvrir quelques petites cases, mais pas trop. Parce qu'il faut quand même garder un peu de surprise pour le mois de décembre. Et histoire de vous montrer un petit peu comment c'est fait. Et ensuite je vais vous parler d'un calendrier de l'Avent que je vais faire pour Juliette. Et vous demander une petite chose pour un autre calendrier de l'Avent que je voudrais m'offrir. Mais je ne sais pas lequel prendre. On y va. Alors du coup avec My Muesli, chaque année ils proposent des calendriers de l'Avent avec du muesli, avec du porridge, avec un peu tout. Cette année ils en ont sorti pas mal. Je vais m'aider avec mon anti-sèche pour pas vous dire de bêtises parce que clairement il y en a pas mal. Donc il y a le calendrier de l'Avent Deluxe qui propose toutes sortes de produits ainsi que des accessoires My Muesli comme les bols, cuillères, etc. Il y a également le Premium Snack qui est juste là en dessous. Il y a aussi le calendrier de l'Avent porridge, donc qui est composé de 24 porridge. Il y a le muesli qui est juste ici et le imagine qui est celui avec les petits chocolats. Voilà, donc moi j'ai reçu le muesli et le premium snack. Il faut savoir que j'ai un code promo pour vous qui vous permettra d'avoir les calendriers de l'Avent avec une belle réduction très sympathique dessus. Donc du coup on va commencer. Donc là ça c'est le muesli to go, donc dedans vous pouvez trouver, alors si vous voulez vraiment savoir exactement ce qu'il y a à l'intérieur de vos calendriers, vous avez la possibilité sur le site de vous spoiler le contenu pour être sûr de savoir si vous allez aimer ou pas. Donc c'est ça qui est pratique je trouve parce que ils vous le mettent. Si vous voulez connaître le contenu, cliquez ici, comme ça vous ne l'avez pas directement sur le visuel et comme ça vous ne vous spoilez pas si vous ne voulez pas, mais vous pouvez également le faire. Alors, il y a 24 muesli bio dans ce calendrier et du coup voilà, donc je vais vous montrer un petit peu comment il est composé à l'intérieur. Donc ce sont des pots de muesli to go, donc c'est, on va ouvrir cette case là par exemple, le numéro 7, hein, hop, donc voilà, ce sont des pots comme ça, hop, sont présentés de cette façon. Donc soit vous mettez directement votre lait dedans pour le manger comme ça, soit vous versez dans un bol, soit vous mangez que la moitié, soit vous utilisez le pot muesli que je vous ai présenté il y a pas longtemps en vidéo pour pouvoir l'emmener où vous voulez. Mais voilà, donc là par exemple on en a un chocolat, fraise, noix de coco, muesli. Et du coup vous avez le petit visuel ici. C'est trop bien fait je trouve, j'aime beaucoup. Du coup voilà, vous inquiétez pas, j'ai prévenu ma maman qu'il y aurait quelques cases ouvertes. Elle m'a dit t'inquiète pas c'est pas grave. Voilà. Ensuite qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre. Je vais pas vous spoiler le 24 décembre parce que c'est un peu dommage. Mais en général, parce que je sais même pas ce qu'il y a dans le 24 décembre, en général le pot du 24 décembre est juste délicieux, hein, clairement. On est sur des saveurs de Noël. Là on a par exemple la case numéro 1 où on a le muesli qui avait été créé pour sauver les océans. C'est pour sensibiliser à tout ce qui est soucis qu'on rencontre dans les océans, les déchets, la pollution et tout ça. Donc du coup là ils avaient créé celui-ci et etc etc. Je vous ouvre une dernière case et après stop parce que autrement on va faire que sur celui-ci. Allez hop le 17, j'ai fait 7, premier et 17. Ah j'allais dire c'est le même que le 7. Non, celui-ci c'est à la cerise et stracciatella. Il est trop bon celui-là, c'est une tuerie. Donc voilà, donc ça c'est pour le muesli to go. Vous avez que des petits pots comme ça dedans et du coup comme ça vous avez tous les matins votre petit déjeuner. Le visuel, je vous ai pas montré, mais le visuel de la boîte est vraiment super sympa. Chaque année il est différent et là on est sur les petits visuels qui sont vraiment cool. Alors j'ai la fenêtre en face, donc du coup c'est un peu galère à voir. Et ensuite on a donc celui-ci qui est le snack premium. Donc dans celui-ci vous trouvez un petit peu de tout. Vous trouvez du muesli, vous trouvez des barres, vous trouvez du thé, etc, etc. Donc dedans, pareil sur le site vous avez possibilité d'aller voir sa composition totale. Donc on est sur des snacks 100% vegan, donc ça c'est vachement bien.
Et dedans, il y a du muesli, du porridge, donc des snacks, les petites barres. Vous avez des thés aromatisés. Ouh, il y a même du beurre de noisette. Et le chocolat, imagine, où ils ont un calendrier totalement réservé à ça. Mais si vous voulez tester un peu en fait tout le... ce que peut proposer My Muesli, je pense que c'est celui qui correspond le mieux, clairement. Du coup, on va ouvrir quelques cases. On va ouvrir la numéro 3, par exemple, juste là. Allez, voyons voir ce qu'il y a dedans. On tombe sur un porridge, il me semble. C'est ça. On est sur un porridge. Ah bah là, on est dans les saveurs de Noël. Pomme, cannelle. Le nom me revenait pas. Et du coup c'est présenté dans des petits pots comme ça. Vous pouvez utiliser pareil pour prendre votre porridge. Vous avez la petite graduation pour pouvoir remplir le lait qu'il faut. Il vous donne les indications pour le faire chauffer au micro-ondes. Si vous souhaitez au micro-ondes. Si vous souhaitez faire autrement, vous pouvez tout simplement l'ouvrir et le mettre dans une casserole si vous préférez. Mais voilà, donc voilà un peu comment c'est présenté. On va ouvrir le 21 qui est juste là, comme ça vous allez le voir. Si jamais je vois que c'est un porridge, je referme pour essayer de vous montrer autre chose. Non, c'est autre chose. Dedans, on a une barre. Voilà, l'exemple d'un autre snack. C'est une barre baie chocolat noir avec du muesli à l'intérieur. J'aime beaucoup ces barres. Clairement, je les emmène avec moi quand j'ai pas forcément le temps de déjeuner, si je dois aller quelque part ou pour un goûter ou un truc comme ça. Elles sont très très bonnes. Donc voilà, ça c'est cool. Je vais ouvrir par exemple la case numéro 12. Hein, et après on s'arrête là. Et comme je vous dis, vous pouvez aller voir sur le site. Alors non, on va pas ouvrir la 12 parce que c'est un porridge. Est-ce que j'en ai une autre? Ou... Ah, j'ai trouvé la case intéressante. Hop. On a une case avec du nut butter peanut chocolat. Oh la vache. Ça, j'ai jamais goûté chez eux. Jamais goûté. J'ai déjà goûté leur thé, le chocolat, le muesli, le porridge, mais le... comment ? Le beurre de noisette et cacahuète, du coup, au chocolat, je n'ai jamais goûté. Et dire qu'il va falloir que je le remette dans le calendrier et que j'attende le 13 décembre pour pouvoir le tester. Mais en tout cas c'est cool parce que vous avez vu la taille du pot. On n'est pas sur un petit pot miniature, hein, on est vraiment sur un pot de taille normale, standard, prévu pour la vente. Et ça c'est top. Voilà, donc vous voyez un petit peu ce que vous pouvez trouver dans ce calendrier. Hop. Et du coup j'ai des codes promo. Donc là mon code promo je vous le mets ici. Et en dessous vous avez un lien, vous cliquez sur le lien promo. Et au moment de valider votre panier, vous rentrez mon code promo en plus. Et comme ça vous aurez des réductions suivant le calendrier que vous prenez. Par exemple si vous prenez le Deluxe, vous aurez moins 40 euros. Si vous prenez le Premium, Porridge, Muesli et Imagine, dans les 4 autres, vous aurez moins 15 euros sur ce que vous commandez. Donc voilà, donc ça c'est top. J'ai remercié juste énormément pour ces deux calendriers, hein, voilà, ils sont, c'est juste top, et j'aime beaucoup My Muesli, vous le savez de toute façon, ça fait un paquet d'années qu'on travaille ensemble, et je suis toujours autant, ravie de déguster leurs produits, et de tester les accessoires et tout ça, parce que c'est vraiment de la très très bonne qualité, on est sur du 100% bio de toute façon, et c'est vraiment très très bon. Voilà, donc ça c'est pour les calendriers de l'Avent My Muesli. Hop, que je remets là. Ensuite, parlons calendrier de l'Avent enfant. Alors, cette année, j'ai décidé de faire la surprise totale à Juliette et de lui offrir un calendrier que j'aurais fait moi-même, enfin que j'aurais rempli moi-même, parce que je vais, je pense, utiliser celui que j'avais eu avec Yves Rocher, que je m'étais acheté il y a 2 ans. Je crois, hein. Et du coup, j'avais gardé bien au chaud, donc c'est des petites cases comme ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé... Me tapez pas sur AliExpress. Des petits goodies sur le thème de Harry Potter et Pokémon, qui sont ses deux grandes passions du moment. Et je viendrai du coup remplir. Mais le calendrier ne restera pas avec ce visuel-là. J'ai envie de le customiser sur le thème d'Harry Potter et Pokémon. Donc faire un genre de battle, un truc comme ça. Ou alors un côté complet Harry Potter, un côté complet Pokémon, je sais pas encore. Et je voulais savoir avec vous si ça vous intéresserait de le voir en vidéo. De voir cette customisation en vidéo et ensuite de voir ce que je mets à l'intérieur. Je vous ferai un haul spécial goodies que je mets dans le calendrier si ça vous intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire parce que je vais pas lui laisser comme ça. Je vais vraiment mettre un beau visuel dessus et à l'intérieur je sais pas trop encore. Je pense qu'en fait là je vais mettre en mode battle avec un éclair au milieu avec Harry Potter d'un côté et Pokémon de l'autre. Et à l'intérieur je pense que je vais peindre les cases en blanc,
je suppose, ou peut-être une autre couleur. Et sur chaque case, je viendrai mettre un truc significatif du thème Harry Potter ou du thème Pokémon, suivant ce que j'aurais mis dans la boîte en fait. Donc il faudra que je vois comment je vais faire là, parce que étant donné que si vous voulez que je vous le fasse en DIY, je n'aurais peut-être pas reçu tous les petits objets que je mets dedans. Donc du coup je sais pas trop encore comment je vais faire le devant de la boîte et tout, je réfléchis encore. Bref, peut-être l'induire en erreur et mettre des dessins Pokémon et Harry Potter de manière aléatoire et à l'intérieur remplir avec autre chose et qu'elle se dit, ah, je vais avoir du Harry Potter. Ah bah non, aujourd'hui c'est Pokémon, je sais pas en fait. Bref, dites-moi en commentaire si vous voulez voir la custo de ce calendrier et aussi voir si vous voulez voir le contenu qu'il y aura à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, la dernière chose, je vous ai dit que j'avais une question à vous poser. Je souhaiterais m'acheter un calendrier plaisir, c'est-à-dire sur le thème... idéalement Harry Potter, avec à l'intérieur des goodies ou des bijoux ou les deux, sachant que celui que j'avais pris l'année dernière, j'avais été un peu déçue parce que j'avais vraiment eu des trucs pas top top dedans. Donc voilà, je vous laisse me mettre en commentaire, sachant que j'en avais vu passer sur internet, et je ne veux pas en prendre un avec des figurines pop dedans, les petites. Je veux un truc un peu varié, donc soit de la papeterie Harry Potter mais de bonne qualité, ou des bijoux, je sais pas, de la déco, ou quelque chose où on va construire quelque chose au fur et à mesure. Alors pas le Lego, parce que le Lego, j'avais proposé à Juliette, elle m'a dit non maman, dedans il n'y a rien d'intéressant. En fait le Lego, il y a très peu de trucs en rapport avec Harry Potter, à part Harry, Ron, Hermione, qu'elle a en je ne sais combien d'exemplaires, et du coup voilà. N'hésitez pas à me proposer voilà, me dire si jamais vous en avez vu et tout. Je sais que j'en ai vu passer sur TikTok. Le problème qu'il y a, c'est que c'est des calendriers qui sont pas vendus en France. Il n'y a pas de lien pour pouvoir les commander. Bref, il n'y a pas de tarif, il n'y a rien du tout. Donc si vous avez des liens et tout, voilà, je voudrais me faire mon cadeau, mon calendrier de l'Avent. Parce que là, je vais me régaler. Mais je voudrais aussi... continuer cette collection Harry Potter, même si je sais que j'en ai déjà beaucoup trop, c'est pas grave, mais ouais, un truc, un joli calendrier avec des jolies choses à l'intérieur, qui va pas non plus me coûter 150 balles, parce que j'en ai vu à ce prix-là, et là j'ai fait ouais mais non en fait, et voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez vu ça, et voilà. Et j'en ai fini, donc j'attends vos réponses en commentaire, déjà me dire... si vous allez craquer sur un calendrier de l'Avent My Muesli. Deuxième chose, si vous souhaitez voir la customisation du calendrier de l'Avent pour Juliette. Troisième chose, si vous souhaitez voir le contenu de son calendrier de l'Avent. Quatrième chose, si vous avez un bon plan ou une idée ou quelque chose pour un calendrier de l'Avent sur le thème d'Harry Potter. Non alimentaire et pas figurine pop. Voilà, je suis bien chiante, je le sais, mais je sais que je peux compter sur vous parce que vous avez toujours des très bonnes idées et vous êtes nombreux, donc du coup vous pouvez avoir vu passer des choses que moi j'ai pas vu passer parce que je suis pas tout le temps sur les réseaux. Alors oui, j'y suis tout le temps pour poster, mais je suis pas tout le temps pour regarder. Donc voilà, si jamais vous voyez passer des choses, ça sera avec grand plaisir et je vous remercie déjà par avance. Et je m'arrête là, je vous fais plein de gros bisous, moi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!